prochain. Je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute. Qui c'est qui fume ma cigarette? C'est pas moi. Je voulais savoir qu'on était sur les roues à 100 mg par litre de SO2 total et 150 mg par litre de SO2 total sur les gants. Ouais. C'est bien chaud. Bienvenue, oh là là. Une réunion du conseil galactique. Ton poète ne crie pas. Ne criez pas, monsieur Lordenois, sinon on va vous enfermer dans la chambre. Maintenant, accusez-vous. Dans le pays glacial de 1930. C'était même dans le pays glacial. Ne criez pas, monsieur Lantenois. Lantenois, taisez-vous. On n'aurait pas de dessert ce soir à 7h. Ma soeur, elle avait entendu ça, elle était la seule à côté. On va vous faire la piqûre. Ne criez pas, Lantenois. Ne criez pas. Vous allez être dispensé plus tard, monsieur Antoine. Et il est vrai que c'est tentant d'en faire beaucoup plus prochaine. Vous n'aurez pas votre petit cahier, votre crayon pour noter les choses. Le Beaujolais, c'était le troisième jeudi de novembre. Ils ont triché. Sur le bon Jolé, triché sur le bon Jolé. Moi, il y a que là qu'on peut s'exprimer. Je exagère. Ah bon? Je pense qu'à toi. Je n'ai pas très tolérant. De quoi en Marcel Pignol? C'est tout petit. Non, c'est pas là. La Commission européenne veut qu'il y ait des ingrédients. C'est dans le poulet là. À l'heure actuelle, j'ai une Mercedes et je compte bien acheter une Porsche. Donc, les pesticides, je vous emmerde. Et les petits enfants qui naissent sans les bras, sans les mains, rien à se couler. Mon vin est dégueulasse et il vaut 12 euros la bouteille. Et je vous emmerde. De toute façon, c'est pour les Américains, ils ne comprennent rien. Merde. Je vous chie dans la gueule, car je suis un Français moyen. Bonjour les enfants, comment vous allez? Vous avez passé une bonne journée? Explication au commissaire européen, en charge de notre... Mais moi j'ai inventé les chips. Oh, t'as vu le Niçois qui a inventé le chips à la soca? Il devient millionnaire. En fait, il a pris la farine de soca, il en a fait des chips comme ça. Ça fait 2 ans qu'il fait ça, maintenant il a ouvert une boîte là. Tant mieux, hein. Bon allez, il va, je sais pas combien, 4 euros le sac. Non, c'est pas vrai. Des chips? Regardez. Des chips à la soca. C'est pas bête, hein? Voilà. Mais tu dénis toi. Je ne sais pas ce qui est écrit en français, mais il y a beaucoup de choses sur cette étiquette. Vous voyez, il s'agit toujours d'informations passionnantes. Voilà. Mais évidemment, rien sur les ingrédients. Donald Trump, il a un vignoble. Vous vous montrez avant-hier la pièce. Bien sûr, il y a le degré d'alcool. Mais pas la teneur. Sauf que la gueule des vins français, en fait, son vin, il est dégueulasse. Réduisons la partie promotionnelle et historique sur les étiquettes. Pas la mode, en fait. Hein. Étonnons sans faire. Ce serait si simple. Que le climat pèle. Surtout le tien, Michel. Bah, moi, ça y est, c'est fait depuis longtemps. Des industriels. Tous les bras noirs pour 6. De lui faire des propositions. Top, ouais. Quelqu'un pourrait lui conseiller des bras noirs. Et voilà. Les ingrédients à l'arrière de leur bouteille. À l'arrière de leur bouteille. C'est une obligation pour les boissons. T'as un missile en solaire. Dans notre système de régulation. Ah, ça chauffe, tu mets une casserole au bout. Mais normalement, tu mets toujours une casserole pour humidifier l'air. Ouais, je sais. On met toujours au-dessus. Vous savez, je mets ça sur les profils de la vaisselle. C'est le moment de la vaisselle et de l'eau chaude. Par contre, industriels,
Je prends un rapport humain basé sur l'honnêteté. J'aime les rapports humains basés sur l'honnêteté. Le mec, ouais. C'est un putain de pédophile avec une paire de Mercedes. Je m'occupe de petits enfants défavorisés. Les consommateurs font confiance aux industriels. En France, c'est l'INAO qui légifère les étiquettes. L'Institut national de l'origine de la qualité représente l'ensemble de la viticulture française. Soit aujourd'hui, un peu plus de 90% de vins conventionnels contre un peu moins de 10% de bio, biodynamique et de vins dits nature. Le débat porte sur quel est l'intérêt pour le consommateur d'information. Est-ce que le domaine marqué sur une étiquette l'homme invisible. Alors, je vous réponds qu'il y a quelque chose qui est personne qui en a. Commun aujourd'hui. Déjà, par des méchants à côté. Ah, il y a des méchants. Des produits qui sont commercialisés, même dans bio, ont des normes de santé publique. Ah, t'es là, toi. Donc, on met à où moi, que parce que je vais acheter un vin bio, nature, ou ce que vous voulez, j'aurai beaucoup moins de... C'est le monde, espace-temps, je ne peux pas vous expliquer. C'est pas par le vin que vous risquez d'avoir des... Je ne sais pas.